car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Bienvenue à Frank Movie Talks. Frank, c'est moi, et aujourd'hui, je vais vous parler de Superman. Pas le super-héros, mais le concept philosophique développé par Nietzsche dans son livre Ainsi parlait Zarathoustra, auquel correspond davantage Batman. Le Superman, ou le surhomme, représente l'idéal d'un homme supérieur qui ferait son apparition après que l'humanité ait tué Dieu et rejeté ses valeurs, un phénomène attribué à l'industrialisation massive. L'humanité sombre alors dans le nihilisme, un nihilisme, précisons-le, passif. Tandis que le monde devient chaotique et immoral, le surhomme est celui qui arrête d'essayer de refouler son chaos intérieur et qui apprend plutôt à le maîtriser grâce à la volonté de puissance, un terme que Nietzsche utilise pour décrire la volonté de se surpasser et qui constitue selon lui l'essence même de la vie. Par conséquent, le surhomme se met à créer ses propres valeurs, son propre mythe et combat l'immoralité du monde qui l'entoure par sa propre immoralité, ou autrement dit, par un nihilisme actif. Mais pour devenir le surhomme, Nietzsche explique que l'homme doit passer par une transformation spirituelle en trois étapes, le chameau, le lion et l'enfant. D'abord, il est chameau. Il s'agenouille sous le poids des anciennes valeurs. Ensuite, il devient lion. Il rejette les anciennes valeurs, mais il reste soumis à son propre désir de révolte. C'est seulement une fois qu'il atteint la forme spirituelle de l'enfant qu'il est prêt à s'inventer lui-même et à créer ses propres valeurs. Ce que fait Bruce Wayne qui, pour imposer une nouvelle forme de justice sur Gotham, invente Batman à partir de l'enfant blessé qu'il n'a jamais cessé d'être. Certains sémioticiens avancent d'ailleurs que l'emblème de Batman résume et réunit ces deux identités. L'enfant effrayé qui hurle de chagrin et la chauve-souris vengeresse qui émerge de ce hurlement. Mais pour correspondre au surhomme, Batman doit également embrasser le concept de l'éternel retour, c'est-à-dire qu'il doit essayer de vivre sa vie de telle manière qu'il puisse souhaiter la revivre encore et encore pour l'éternité. Ce que Nietzsche dit, ce n'est pas que le surhomme doit être prêt à revivre sans cesse les mêmes épreuves, mais qu'il doit avoir envie et être certain qu'il réagirait toujours de la même façon, en accordance avec les valeurs qu'il a créées. Si ça peut être difficile de croire que Batman aurait envie de revivre le meurtre de ses parents encore et encore, c'est pourtant exactement ce qu'on le voit faire lorsqu'il rejoue la scène dans le théâtre de sa mémoire. Parce que non seulement c'est son traumatisme qui donne un sens à sa croisade contre le crime, mais c'est aussi sa croisade contre le crime qui donne un sens à son traumatisme. Tandis que Superman est un extraterrestre doté de super-pouvoirs qui essaie de se fondre parmi les humains, Batman est un homme ordinaire qui s'est éduqué et entraîné pour les surpasser et correspond donc davantage à la définition que Nietzsche fait du surhomme. Personne ne peut devenir le Superman kryptonien, mais avec suffisamment de détermination et beaucoup d'argent, tout le monde peut devenir Batman. Ainsi parlait Zarathoustra a été adapté sous forme de poème symphonique par Richard Strauss et son ouverture culmine sur trois notes. Trois notes reprises par John Williams au début de Superman. Et par Danny Elfman à la fin de Batman. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé à lancer cette chaîne. Cette vidéo sert d'introduction à une série que j'aimerais partager avec ceux que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode qui explorera la versatilité de Batman et de son univers d'un point de vue politique. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si le cœur vous en dit. D'ici là, à la prochaine.